Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo sur la numération. Donc vous prenez un morceau de carton ou un emballage de gâteau, de céréales ou de biscottes, enfin bon, voilà. Donc on va faire un fromage. Alors, j'en ai commencé un. Donc on trouve bien le centre du cercle, vous faites un cercle. Vous faites un trou au niveau du centre du cercle et ensuite on trace des traits pour le partager. Donc ici, alors soit l'enfant est plus à l'aise et donc il peut aller jusqu'à 7 ou 8 points, donc vous oubliez le 1 et le 2, soit ou vous le rajoutez une fois ou deux fois, soit vous vous arrêtez à 6. Donc là, je vais m'arrêter à 6. Donc là, je vais faire un point. Ici, 3. Il faut que ce soit assez harmonieux. Et ici, on va en mettre 6. On met un autre en haut. Donc il me manque le 1, le 2, ici je vais mettre 4 et ici 5. Donc j'ai mis le de 1 à 6. Voilà, donc ça c'est notre cercle, c'est notre trou pour commencer un jeu. Donc vous mettez un crayon à l'intérieur. Donc on va utiliser comme d'habitude du matériel de la maison. Donc vous prenez un wok, une poêle, une casserole, mais il faut un manche avec un trou. Voilà. Donc votre matériel, ce sont des épingles à linge. Et alors votre enfant, le but du jeu est de mettre des épingles à linge sur tout le contour de la casserole. Allez, on y va. 2. Allez, je mets 2 épingles. Alors là, l'enfant peut le faire tout seul. Combien d'épingles ? 1 épingle. Et on continue jusqu'à faire le tour de la casserole. Ici, 5 épingles. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on continue. Alors ça, c'est le premier jeu. Donc là, il peut faire ça tout seul. Donc vous pouvez en faire une autre avec les chiffres. Et de la même manière, vous tournez la roue. Voilà. Et il fait le contour de la casserole. Là, on joue à 2. Il y en a un qui a les chiffres et l'autre qui a ici les points. Donc, on vide les casseroles. Vous avez le droit de jouer 3 fois. D'accord ? 3 fois, donc chacun son tour. Vous commencez. Ah, là, il y en a 3. Donc je mets 1, 2, 3 bouchons de liège. Ça, vous devez avoir par ces temps de confinement. Ici, et d'en mettre 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, au bout de la troisième fois, donc là, chacun a joué une fois, vous jouez chacun 3 fois. Au bout de la troisième fois, vous comparez les casseroles. Celui qui a gagné et celui qui en a le plus. Alors, si 3 fois c'est trop, vous ne jouez que 2 fois. Ça. Et on échange après. L'un prend les chiffres, l'autre prend les points. Allez, un autre jeu. Là, j'ai confectionné des maisons. La maison du 1, la maison du 2,
la maison du 3. Donc ça, c'est un jeu où il peut jouer tout seul. Et la maison du 4. Vous avez tous ces petits, toutes ces cartes. Et l'enfant doit remettre les cartes au bon endroit, dans la bonne maison. Donc ici, je remets le 2. Voilà. Ici, il y en a 3. Je le mets ici. Ici, le 1. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il nomme. Il faut qu'il nomme ce qu'il met dans les maisons. Et on continue. Le 2. Le 1. Là, le 6. Donc, il faut les constellations des dés. Il faut également les chiffres. Et il faut des formes qui sont mises un peu n'importe comment sur la carte pour que l'enfant ne soit pas focalisé sur les constellations, voilà, pour qu'il puisse voir autre chose. Donc là, on voit qu'il y a 6 croix. Donc on va les mettre ici. D'accord ? Alors sur les, il y a une autre carte avec des triangles où il y en a 6. Là aussi, ils ne sont pas mis de la même manière. Donc l'enfant doit rechercher. Voilà, etc. Donc vous faites voilà, des petites cartes en fonction des maisons que vous avez faites. Alors si le 1 et le 2 sont trop faciles, vous passez au 7 et au 8. Bon, amusez-vous bien. Au revoir les enfants.